Je m'excuse pour la luminosité, ça ne se voit pas, mais dehors il fait super moche, super gris, donc j'ai mis des petites lumières histoire d'apparaître un peu plus réchauffée. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler du DUT métier du livre, puisqu'aujourd'hui c'était mon dernier jour et j'ai pensé que c'était le bon moment pour faire le bilan de ces 2 dernières années de ma vie et de mes 2 dernières années d'études. Déjà pour moi, pour me faire un bilan, mais aussi pour tous ceux qui voudraient travailler dans les métiers du livre ou qui s'intéressent au DUT, qui maintenant est devenu un BUT métier du livre, puisqu'il y a très peu de vidéos sur YouTube qui en parlent, ou alors ce sont des vidéos qui datent déjà d'il y a quelques années. Il y a plus de vidéos, je crois, sur Master d'édition, mais globalement, on parle pas beaucoup du DUT, donc voici mon expérience. Donc déjà, l'intitulé de ma formation, c'est un DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine. Et en plus, moi, je suis dans la section édition librairie, puisque je suis à l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui, jusqu'à cette année, faisait la distinction entre édition librairie et bibliothèque médiathèque patrimoine. Si je ne me trompe pas, c'est ça le nom pour la filière des bibliothèques. Donc, c'est une formation qui s'organise sur 2 ans. À la fin, vous avez un diplôme, donc un diplôme universitaire, et techniquement, vous pouvez déjà vous insérer dans le monde du travail. Pour ce qui est du DUT, donc c'est un parcours post-bac, c'est-à-dire que vous postulez via Parcoursup. Donc, si vous êtes bachelier ou si vous êtes en première année en orientation, vous passez par Parcoursup. Les DUT, de manière générale, accueillent des personnes du général, donc S, L et ES, qui aujourd'hui ne sont plus des S, L et ES, mais des bacs à la carte dont je ne saurais vous expliquer, je suis vraiment désolée, et des bacs technologiques, mais également des bacs professionnels, puisqu'il existe un bac professionnel librairie, il me semble bien. Ça accueille tout ce beau monde et ça fait une classe vraiment très hétérogène, puisqu'on a de tous les horizons. On a évidemment beaucoup de L, qui par extension en général aiment beaucoup lire, mais on a aussi beaucoup de ES et de STMG, et également des anciens scientifiques. Donc vous faites les démarches via Parcoursup et chaque université va avoir des exigences pardon, différentes. Certaines vont juste vous demander une lettre de motivation, d'autres vont demander des expériences que vous avez déjà eues avec des professionnels, etc. Ça change suivant les universités, elles n'ont pas toutes les mêmes exigences. Aussi, toutes, avant que le BUT finisse par exister, ne proposaient pas la même chose, c'est-à-dire que certains DUT ne faisaient que le métier de bibliothèque ou fusionner les deux. C'est-à-dire que Bordeaux, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi en plus des raisons géographiques, dissociait les deux et j'ai pu choisir de faire que de la librairie et de l'édition. Aujourd'hui, les BUT, c'est plus 2 ans, mais c'est sur 3 ans, lycée, et vous faites les deux parcours en fait en 3 ans. J'ai mon avis là-dessus, je trouve ça nul. On force les étudiants à faire 3 années là où ils pouvaient en faire que deux et ensuite rentrer dans le monde du travail. C'est les foutre un peu dans la mouise, surtout quand on sait que maintenant les études, ça coûte cher. Donc j'ai pas trouvé ça génial et surtout ça les force à suivre des cours qui ne les intéresseront jamais. Il y en a qui sont persuadés de vouloir travailler dans les bibliothèques et d'autres persuadés de vouloir travailler dans le commerce du livre. Ce sont 2 mondes complètement différents. Et la preuve en est que les bibliothèques, j'en ai rien à carrer, dans le sens où je ne veux pas travailler en bibliothèque. On a appris leur fonctionnement et les liens qu'on pouvait avoir avec les éditeurs et les libraires, et ça c'était super intéressant, mais le catalogage, j'en ai rien à faire. Beaucoup de personnes souhaitent devenir libraire souvent par passion des livres, ce qui est tout à fait honorable et c'est vrai, mais il y a quelque chose sur lequel on ne m'avait pas vraiment beaucoup renseignée au moment où je suis rentrée dans cette formation, c'est à quel point la gestion était présente, surtout quand vous voulez devenir libraire. Donc je vais vous détailler un peu tout ça, mais attention, ce n'est pas juste un monde où les livres sont beaux et on passe notre temps à lire. Petit aparté, comme je viens de le dire, je suis encore, mais j'étais à l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui dépend de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui a donc son cursus et sa manière d'organiser l'année et les cours. Tous les DUT et tous les BUT, par extension, n'ont pas la même organisation des cours, ne font pas exactement les mêmes cours. Donc, ce que je dis, c'est mon expérience personnelle et mon expérience personnelle
dans cette formation en particulier. Donc la première année est assez étoffée en termes de cours, c'est-à-dire que c'est une formation information communication, et de ce fait on a des cours théoriques qui traitent de ces sujets-là. Donc on a des cours de la théorie de l'information, on a eu de la sociologie, mais c'est aussi, et je veux bien préciser, une formation qui à mon sens est surtout une formation de gestion, puisque vous allez avoir beaucoup de cours sur la gestion, surtout la gestion financière des librairies, avec des cours d'économie, des cours pour apprendre à utiliser Excel, Word, etc., afin de pouvoir faire de la facturation, ce genre de choses. Et aussi, donc au premier semestre de la première année, il y a beaucoup de cours en amphithéâtre partagés avec la filière des bibliothèques. Comme je le disais, donc les cours théoriques d'information et communication, mais on avait aussi des cours de sociologie, d'histoire de l'art, d'esthétique, de bibliologie, donc qui retrace toute l'histoire du livre et l'histoire de la fabrication du livre. Enfin, plein de cours comme ça, qui étaient assez denses, longs et souvent assez pénibles. Je dois l'admettre, personnellement, ça n'a pas du tout été mes cours préférés, et pour le coup, je n'ai absolument rien retenu de tout ça. Et pourtant, au premier semestre, malgré le fait que ce soit une formation que j'ai choisie déjà depuis ma première, sur laquelle je m'étais énormément renseignée, j'étais sûre de vouloir faire ça, j'avais fait un stage en amont, je voulais partir parce que les cours ne correspondaient pas du tout à l'idée que je m'en faisais. On avait que, je crois, sur la trentaine d'heures de cours par semaine, 4 heures professionnalisantes et 2 heures de littérature, et j'étais assez découragée parce que j'étais dans une filière où en gros je me levais le matin et j'avais pas du tout envie d'y aller. Donc j'hésitais vraiment à partir et à repartir dans des études plus littéraires qui suivaient mon cursus. C'est la raison pour laquelle je vous disais, attention, le DUT le DUT métier du livre est avant tout pour moi une filière de gestion, puisqu'on fait évidemment un peu de chiffres et de la gestion d'entreprise. Ce n'est vraiment pas une filière littéraire. Ça, c'est à bannir de votre idée. On n'a qu'une heure et demie, j'ai dit 3 heures parce qu'on a de l'expression écrite et orale, mais grosso modo, on n'avait qu'une heure et demie de littérature et quelques exposés à faire, mais globalement, ce n'est pas une filière littéraire. À noter. Je suis entrée en DUT métier du livre à la rentrée 2019, c'est-à-dire que j'ai fait ma première année en 2020, ce qui signifie que j'ai connu le Covid et le premier confinement. Et ça a été une grande blague, puisque nous avons été lâchement abandonnés par l'administration et par certains profs. Beaucoup ont tenté de faire un suivi pédagogique en nous donnant des travaux à rendre, donc des travaux ou qui avaient déjà été prévus ou qu'ils ont dû créer pour avoir une note de partiel qu'il fallait rendre. On a eu des nouveaux cours qui du coup ont essayé de s'adapter, ou ils nous envoyaient tout, ou je me souviens d'un prof de droit du travail qui avait fait en sorte de créer un cours, et ça c'était vachement cool, mais la plupart des professeurs en fait ont juste rien fait. Ça a été le trou noir, il y en a pour qui on n'a jamais eu de réponse, et ça a vraiment été une période d'abandon complet et forcément d'abandon des cours. Donc ça, conjugué à 2 mois de vacances, ça fait 6 mois au complet, on n'a pas du tout eu cours, et là-dessus ça a été vraiment mal géré. Aujourd'hui encore, on avait des doutes il y a encore quelques semaines, puisque je vais bientôt rentrer en stage, et qu'initialement dans le DUT on devait faire 2 rapports de stage, et il y a encore quelques semaines on se posait la question si on devait en rendre un ou pas. Ça fait 1 an quand même et on n'a toujours pas de réponse. Donc j'ai fait le choix de rester pendant le confinement parce que l'organisation du confinement, comme c'était des deadlines, m'allait beaucoup plus. Je pouvais m'organiser comme je voulais, j'étais déjà un peu plus épanouie, surtout que c'était des travaux plus libres. On a dû faire des revues, et je sais qu'au début de la deuxième année, on a fait des espèces de petites vidéos booktube, ce genre de choses, qui laissaient plus place à la créativité, notamment à travers des cours de communication, etc. Donc ensuite arrive la deuxième année, année aussi Covid, donc tous les cours à distance sauf les cours qui nous demandaient d'être présents absolument, soit tout ce qui était autour de la PAO mais aussi de la fabrication et les projets tutorés de second semestre, mais ça j'en parlerai après. La deuxième année n'a été qu'une vague répétition à mes yeux de la première année,
puisque comme je vous l'ai dit, on a eu 6 mois de rien, donc on a accumulé beaucoup de retard et certains éléments de la classe ont accumulé beaucoup beaucoup de retard, ce qui a globalement fait ralentir le groupe, ce qui fait que j'ai l'impression de n'avoir un peu rien appris ma seconde année, puisqu'on n'a fait que répéter tout du long des choses qu'on avait déjà vues en première année, qui avaient été négligées puisqu'on n'a pas eu cours. Il y a aussi quelque chose qui m'a énormément dérangée, c'est que je comprends la détresse étudiante, etc. Je veux dire, moi, j'ai pas eu à me plaindre parce que je vis encore chez mes parents. Mais justement, à cause du Covid et de la détresse étudiante qui s'est fait entendre, beaucoup de profs ont baissé leur niveau d'exigence pour ce qui était des cours, voire même étaient extrêmement laxistes. Là où quand on est rentré en DUT, on nous disait vous allez être super encadrés, on nous avait mis des règles de temps d'absence, vous passez pas les partiels, ce genre de choses qui n'ont jamais été appliquées. Et j'ai trouvé ça dommage dans le sens où c'est souvent des éléments qui se moquaient clairement, ouvertement des profs. Et là-dessus, j'ai trouvé ça dommage puisque le groupe avait ralenti, l'exigence avait ralenti. Et en plus, ils étaient laxistes avec certaines personnes. Et vraiment, ça a été une année que j'ai vécu un peu comme une injustice. De un, parce que je répétais des cours que j'avais déjà vus. Et de deux, parce que je me retrouvais à avoir le même niveau que des personnes qui ne se pointaient pas. Enfin, voilà, c'est vraiment une année que personnellement, j'ai vécu un peu comme une injustice. Aussi, à cause du Covid, certains professeurs ont pris tout simplement l'habitude de nous demander donc, des travaux en deadline, qui sont souvent des gros travaux qui demandent beaucoup d'heures d'investissement, mais beaucoup ont oublié que on n'est plus confiné comme avant, c'est-à-dire que le confinement de mars tout était fermé et nous n'avions pas eu de suivi pédagogique, c'est-à-dire pas de cours via Zoom. Or, la deuxième année, si. On n'est pas en vacances, hein, on a cours. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à plusieurs à Noël à moitié en burn-out. Voilà, hein. N'oubliez pas, les cours en visio, on ne fout pas rien, on reste en cours. Mais pour quand même revenir sur ce qui est le contenu de la formation, étant donné le retard accumulé avec le Covid, tous nos cours étaient beaucoup plus professionnels et beaucoup plus applicables dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils ont tout misé sur les cours de communication, d'animation, de PAO, des cours de fabrication. Vraiment les cours essentiels pour cette année, pour qu'on puisse intégrer ou le monde du livre ou continuer plus tard en licence professionnelle. La deuxième année, c'est aussi une année de spécialisation, c'est-à-dire qu'au second semestre, vous avez donc un projet tutoré à rendre et vous devez choisir si vous voulez faire un projet tutoré spécialisé en librairie ou un projet tutoré spécialisé en édition. C'est ce moment-là où les gens se spécialisent. Ça n'influera en rien si plus tard vous souhaitez plutôt partir finalement en édition ou finalement plutôt en librairie. Le fait est que vous choisissez une spécialisation en deuxième année. Pour ce qui était de la spécialisation en librairie cette année, vous deviez créer, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'y étais pas, j'ai choisi édition, mais pour la librairie c'était vous deviez créer un rayon. Vous choisissiez un thème et vous devez faire une liste d'une centaine d'ouvrages en rapport avec ce thème, se charger de l'animation, de la communication, etc. autour de ça. Et en édition, c'était créer un projet éditorial de A à Z, c'est-à-dire créer la maison d'édition et la première publication, donc en passant de l'identité graphique et la ligne éditoriale de la maison et la maquette, la recherche de texte, etc. pour la publication. Donc personnellement, j'ai choisi la spécialisation en édition puisque au fur et à mesure du confinement du coup de la première année, je me suis dit que ce que j'aimais faire dans ma formation, c'était tout ce qui tournait autour de la communication, c'est-à-dire créer une animation, écrire des dossiers de presse, des argumentaires. Avec le stage de ma première année que j'ai fait en librairie, j'avais adoré faire des petits post-it de coup de cœur, créer une vitrine, tout ce qui était autour de promouvoir le livre, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc en édition, ce qui était bien, c'est que je pouvais enfin faire ce que je voulais absolument, c'est-à-dire me charger de la communication dans le projet. Puisque avec ma deuxième année, le début de ma deuxième année, je me suis renseignée vraiment sur ce que je voulais faire et je voulais vraiment plutôt partir sur la communication pour une maison d'édition et promouvoir le livre, ce qui fait que j'ai
préféré choisir cette spécialisation-là plutôt qu'à l'IRE. Donc le DUT de Bordeaux proposait plusieurs plages de stage et avait un minimum de stage obligatoire plus élevé que ce qu'il était légalement demandé. Donc à l'IUT Bordeaux-Montagne, il fallait valider sur les 2 ans 15 semaines de stage, dont 2 en librairie et 2 en édition. Donc la répartition, c'était en première année 4 semaines en février, 4 semaines en mai-juin, et en deuxième année 5 semaines en février et février-mars et 5 semaines en mai-juin. Alors attention, tout n'est pas beau tout rose, puisque la plus grande tare et la plus grosse angoisse que nous avons tous connue, qui plus est conjuguée au Covid, ça a été de trouver des stages en édition. Alors Bordeaux a des maisons d'édition, mais pas assez pour qu'on en soit 30 à les faire en même temps. Elles sont pas assez grandes souvent pour qu'ils en prennent plusieurs à la fois et ne prennent pas toujours des stagiaires car n'ont pas grand chose à leur faire faire, puisque ce sont aussi souvent des petites structures qui délèguent ou ce genre de choses. Et le monde de l'édition, malheureusement, est hyper Paris-centré. Oui. Souvent, les recruteurs, enfin les maisons d'édition ont des exigences pour les stagiaires auxquelles on ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'ils demandent souvent des stagiaires qui doivent être disponibles minimum 3 à 6 mois. Donc faire évidemment le déplacement sur Paris. Et ben, on n'a pas ces périodes de stage là, on n'a pas tous les moyens pour une période courte de monter sur Paris, et souvent on fait face en fait à des éditeurs qui sont très peu compréhensibles et qui ne veulent pas adapter leur période de stage, tout simplement parce qu'en fait ils enchaînent les contrats de stage de 6 mois pour ne pas prendre des CDD. Hein. Faut pas se voiler la face, on vous voit, hein. On n'est pas bêtes. Il y en a qui font leur stage parce qu'ils en ont besoin, mais on sait aussi que vous voulez juste renouveler vos CDD sans avoir à payer 10 € de l'heure, puisque je rappelle, un stagiaire n'est rémunéré qu'au bout de 8 semaines de présence dans l'entreprise, je sais plus combien d'heures de travail est-ce que ça fait, et est payé environ 3,90 € de l'heure. Voilà. Hein. Aussi, pour ce qui est du contenu des cours, étant donné que c'est une filière professionnelle, les cours qui sont justement professionnalisants sont dispensés par des professionnels eux-mêmes, donc les cours d'édition par des éditeurs, tout ce qui tourne autour de la librairie par des libraires. Voilà, vous êtes vraiment en contact avec des professionnels qui pourront vous aider tout au long de l'année, que ce soit pour vos cours, mais aussi pour la recherche de stage ou pour votre orientation. Pour ce qui est de la validation du DUT, donc c'est le DUT divisé en 4 semestres que vous devez avoir validé avec un minimum de 10 de moyenne. Et le DUT est noté sur contrôle continu. Alors moi, on m'avait vendu le contrôle continu, je pensais vraiment que ça allait être du contrôle continu. Qui plus est, c'est aussi ça qui m'a dégoûtée lors de mon premier semestre, c'est qu'on m'a dit contrôle continu. Je m'attendais à avoir des notes qui feraient que, au global, ça donnera une seule note qui sera ma note de contrôle continu. Cunini, les DUT ont aussi des partiels, c'est-à-dire que vous faites en général une note. Si vous avez des TP, il y a peut-être une note et encore, mais sinon tous les cours fonctionnent en partiel, c'est-à-dire qu'à la fin du semestre, il y a une date, un contrôle, vous devez tout réviser, vous recrachez tout, comme des partiels normaux, des évaluations normales, enfin voilà. Donc contrôle continu, pas vraiment, mais c'est le principe. En dernière année, vous avez un mémoire à rendre. Ce mémoire compte COEF6. Vous avez un mémoire à rendre autour des métiers du livre. Moi, je fais une série de vidéos dessus parce que ça me motive à travailler dessus et parce que je galère. Sachez que le mémoire est une énorme note dans votre quatrième semestre, mais qu'il ne faut pas se mettre de la pression dessus. Tout le monde est là pour vous accompagner et la solution, c'est évidemment de s'y prendre tôt dans l'année, de travailler régulièrement et à la fin rendre un mémoire qui soit bon, qui vous ait passionné et qui vous apportera donc sans aucun doute une bonne note. Quelles sont les possibilités après un DUT métier du livre? Eh bien elles sont multiples. De manière plus classique, vous avez les licences pro librairie et les licences pro édition qui sont dans la continuité du parcours. Si vous voulez être libraire et vous lancer dans la licence pro édition, sachez que beaucoup de professionnels vous diront de ne pas la faire car elle ne sert à rien et ne fera que répéter en fait.
ce que vous avez déjà vu pendant votre DUT. Vous pouvez aussi avoir la vision de c'est plutôt de l'approfondissement et ça peut vous garantir plus tard des augmentations de salaire plus faciles puisque vous avez un niveau Bac plus 3 qui est beaucoup plus valorisé en termes de salaire. Vous avez aussi la licence pro parcours éditeur qui là n'est qu'un tremplin puisque comme je vous l'ai dit en fait l'édition on le voit en DUT mais on le voit peu comparé à la librairie qui est beaucoup plus accessible au bout de 2 ans. Le monde de l'édition n'est accessible pour la plupart du temps qu'à partir d'un bac plus 5. Donc la licence pro édition n'est qu'un pas pour ensuite faire le master qui lui vous mènera vraiment dans le monde professionnel. Vous pourrez vraiment avoir accès à des métiers et à des postes qu'à niveau bac plus 5 qui est en général le niveau minimum demandé par les entreprises et par les maisons d'édition. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi partir dans des licences pro de commerce ou de communication de manière plus large puisque votre DUT par son intitulé information communication vous ouvre la porte à toutes les licences pro de communication mais aussi des écoles. Dans notre promo cette année avec le Covid, il y en a beaucoup qui se réorientent puisque avec le monde de la culture qui en a pris un coup, beaucoup se sont rendu compte qu'il fallait peut-être s'ouvrir à d'autres et être un peu plus général de façon à ne pas se fermer de porte. D'autres se sont rendu compte que c'était plus du tout ce qu'ils voulaient faire et en fait on a plein de profils différents qui partent un peu partout. Il y en a aussi qui, dans le parcours libraire et éditeur, se sont rendu compte qu'ils voulaient être ni l'un ni l'autre, mais par exemple représentant, travailler chez un diffuseur, un distributeur ou d'autres maillons en fait de la chaîne du livre et du coup qui nécessitent des études dans d'autres domaines. Donc on est beaucoup à partir en licence de communication, en licence de commerce, dans le privé, dans le public, alternance pas alternance, il y en a qui reprennent leurs études du début, je sais qu'il y en a qui veulent partir dans complètement autre chose que le monde du livre. Le monde du livre en fait est extrêmement pluriel en termes de métier et qu'il suffit juste de les découvrir. Donc à titre personnel, comme je l'ai expliqué, je veux partir dans la communication de manière plus générale. Donc j'attends toujours certaines réponses mais je souhaite partir dans une licence de communication éditoriale et digitale. Donc c'est la communication autour évidemment du web mais aussi à l'écrit, aussi sur du print. C'est vraiment de la communication de manière globale qui va beaucoup me faire manier tout ce qui est logiciel de PAO etc. Et j'ai trop hâte. J'ai postulé à Bordeaux, donc à l'IUT Bordeaux-Montagne. J'ai postulé à l'IUT Paris-Descartes qui maintenant s'appelle Paris-Rive-de-Seine, à l'IUT Charlemagne à Nancy, et au Havre, mais ça on oublie parce que c'est pas en alternance et que moi je cherche vraiment de l'alternance pour pouvoir pratiquer, être plus dans le professionnel, dans le réel, etc. Chose qui m'a beaucoup manqué pendant mon DUT puisque on a été bloqué avec le Covid. Actuellement je suis admise à Paris, je suis trop contente parce que vraiment ça me vend un peu du rêve et j'aime vraiment beaucoup, mais pour des raisons géographiques je préfère quand même attendre une réponse de Bordeaux avant d'accepter Paris, qui n'arrivera pas avant fin juin. Là où j'ai eu ma réponse pour Paris début avril, voilà. Donc pareil, Nancy c'est début juin, donc je suis dans l'attente de savoir si je suis acceptée ailleurs ou non avant d'être admise à Paris. L'administration a été très clémente quand je leur ai expliqué ma situation de bah, j'attends toujours une réponse et ils ont trouvé ça exagéré comme le timing et j'étais tout à fait d'accord avec eux. Va trouver une alternance quand tu n'as ta réponse que fin juin. Mais enfin bref, je suis quand même super contente de me dire que je suis prise à Paris. Ça me laisse présager du bon pour Bordeaux et surtout bah, ça me motive de fou, genre je suis faite pour ça et c'est trop cool. Je sais pas trop si j'ai tout traité, je sais que j'ai pas détaillé les cours en détail puisque c'est pas vraiment le plus intéressant, sachant que chaque IUT a sa propre organisation et qu'avec les BUT qui se mettent en place, les cours seront certainement dispensés d'une manière un peu différente. J'espère avoir traité un peu de tout en les... Bon ok, j'ai été super subjective pour ce qui était du Covid, mais d'avoir pu faire une vision un peu globale de ce que c'était que le DUT métier du livre. S'il y en a qui regardent et qui ont des questions, je suis ouverte à y répondre. Et voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne lecture et bonne orientation.